Donc, la sécurité nationale et celle du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Donc, c'est le truc là que vous savez. Et puis, les généraux qui sont à la retraite. Donc, j'aurais commencé par quoi? Parce que vous connaissez l'histoire que, comment il s'appelle? C'est la main droite, hein? C'est la main gauche. Aboubacar, comment tu vas? Aboubacar, il faut partager. Partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, cette histoire de mercenaires et de tout qui sont en train de venir en Guinée, où il y a certains qui sont déjà en Guinée, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas revenir sur ça. C'est tout simplement pour vous dire qu'au lieu d'aller loin, je vous avais expliqué au début de ce changement-là, de ce coup de soulagement qu'on a eu. Je vous ai dit que les gens comme Ouattara, ils ne seront pas contents. Pourquoi? C'est juste une question de. Tout ce que l'autre a dit de lobby ou quoi, c'est les francs-maçons, les Illuminati, tous ces vieux crocodiles, ça c'est un autre débat, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Mais il faudrait que vous sachiez une chose, si ça marche pour la Guinée, ça peut marcher en Côte d'Ivoire, ça peut marcher au Cameroun, ça peut marcher au Gabon, ça peut marcher un peu partout. Donc ils veulent leur sécurité, c'est comme vous quoi, quand quelque chose arrive à votre ami ou à votre voisin qui a à peu près la même force que vous ou qui est dans le même groupe que vous, vous pensez tout de suite à vous. Ça, c'est logique. Ça, c'est un fait, c'est une logique. Mais le côté que je voulais vous signaler, quand on vous dit qu'il y a déjà des gens qui sont arrivés en Guinée, les mercenaires et tout ce que vous savez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. À ce moment-là, ce que je vais préciser, je vous ai déjà dit, je vais revenir là-dessus. Tous ces groupes aujourd'hui qu'on met à la retraite, qu'on ne veut pas reprendre, le recyclage, le ci, le ça, tout ce que vous savez, chacun de nous aspire à cela, qu'il y ait de nouvelles têtes, qu'il y ait de nouvelles personnes, qu'il y ait des jeunes, même si ce n'est pas des jeunes par âge, jeunes, jeunes, mais que des nouvelles têtes. Les anciennes têtes aussi veulent rester dans le système. Donc, ils vont se battre comme ils peuvent. Ils vont se battre comme ils peuvent. Vous mettez-vous à leur place. Je vous ai souvent dit, pour comprendre un problème, tu te mets à ta propre place, tu te mets à la place de l'autre et tu te remets à ta place. Tu joues les deux rôles, tu comprendras. Si vous êtes à leur place, on est en train de parler, mais on ne voudra pas qu'on nous fasse ce qu'on est en train de leur faire. Certes, même si pour nous c'est juste, mais ils vont se battre comme ils peuvent. Ça, c'est une évidence, c'est une certitude. Donc, il faudrait qu'on sache qu'il y a des gens à l'interne, des Guinéens eux-mêmes qui ne sont pas contents, qui vont passer par mille moyens, ils vont passer par les coulisses, par les sacrifices, par les si, par les arrangements, passer par tel qui connaît tel, par les relations et tout. Et si ça ne marche pas, ils peuvent essayer d'autres méthodes pour déstabiliser. Il y a plusieurs formes de méthodes. Donc, il y a plusieurs groupes. Il y a énormément de groupes derrière ce monsieur. C'est tout à fait normal cela. Ce n'est pas, cela ne doit pas nous surprendre. Voilà, c'est pourquoi je vous ai toujours dit dans mes directs ici, nous devons le soutenir de toutes les manières, nous devons les soutenir. Parce qu'il ne faut pas les décourager. Il ne faut pas les décourager qu'une autre fois, quelqu'un d'autre va venir, comment on appelle ça, va venir s'imposer, va venir s'installer, vouloir mourir au pouvoir. Une autre nouvelle génération va se dire, Mamadi Doumbouya avait fait ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Ça s'est très mal terminé pour lui. La population même n'a rien fait pour l'aider ou pour le sauver ou pour le soutenir. Donc, moi, je parle sur du long terme déjà. Ça, c'est le côté du long terme. Vous voyez, maintenant, il y a le court terme maintenant là, que ceux qui ne sont pas contents dans l'armée, forcément, il y en a. Ça, c'est clair. Ça, c'est comme dans toutes les armées. Il doit y avoir des gens qui sont du côté du camp de l'ancien monsieur que je ne veux pas dire le nom, même si ils sont pas très nombreux, qui ne sont pas contents, et certains aussi veulent être, comment on appelle ça, ils ne veulent pas aller à la CPI, ils veulent qu'on les fasse rentrer et qu'on les enlève sur la liste. Si on ne les enlève pas sur la liste, il faut vous mettre tout simplement à leur place. Tout cela est normal et logique pour eux, pour nous, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Donc nous allons continuer à vous battre dans les invocations, dans les prières, dans tout ce que vous savez, sur les réseaux sociaux. Partout où on parle du mal de lui ou de cette transition, vous quittez là. Parce que si vous dites, si on se dit qu'on va avoir une bonne transition, on va avoir des élections dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 6 mois ou demain, peu importe la date, là n'est pas la question. Il faudrait que la transition se passe bien déjà. Ça, c'est un premier point. Donc, que ce soit parti politique ou quoi que ce soit, on va mettre ça un peu en stand-by pour l'instant pour qu'eux, ils puissent s'imposer, pour qu'ils puissent s'installer pour notre propre bien-être demain. C'est ça que je vous dis régulièrement. Parce que si cela échoue, ce n'est pas un parti politique qui va échouer. Ce n'est pas une partie du peuple qui va échouer. C'est toute la Guinée qui va échouer. Tous ceux qui sont en train de parler là,
Eux, ils sont là pour leurs petits intérêts. C'est tout à fait normal. C'est normal pour eux, quoi. Je ne dis pas, je ne cautionne pas, je n'apprécie pas cela. Mais eux, ils sont dans leur droit parce que quand tu as goûté au miel, qui ne veut plus de miel? Tout le monde en veut. Donc, il y a des gens déjà à l'interne. Maintenant, ce que je vais dire à ces gens à l'interne, et ce que je vais vous dire, ces gens à l'interne, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours comme ça. C'est comme pendant les élections. Quand Zélédé s'est présenté, oh, c'est bien, il s'est présenté, bravo, merci beaucoup, il a gagné, moi, oh, ok, ok, ça va. Bon, on le laisse dans ses problèmes. C'est son problème, nous, on s'en fout. Donc, aujourd'hui, le CNRD, on voit qu'ils sont beaucoup aimés. Il y a eu des erreurs par le passé, on ne va pas parler de ça. Le colonel est beaucoup aimé, il est beaucoup admiré, il a posé beaucoup d'actes. Moi, c'est la première fois que je vois, que je vis cela. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, les audits, tout ce qui se passe là, c'est la première fois que la majeure partie d'entre nous le vivent. Donc, ça fait mal. Forcément, ça fait mal au camp adverse, ça fait mal aux gens qui ne veulent pas le changement, ça les dérange. Ils vont tout mettre en œuvre pour gâcher notre petit bonheur. Nous sommes en train de vivre quand même un petit bonheur en ce moment, même si on n'a pas d'argent, mais chacun de nous sent... chez certaines personnes, la majeure partie d'entre nous, un petit bonheur, on est un peu content, on est un peu content, c'est inhabituel, on veut que ça dure et que ce changement et que ce petit bonheur là reste aussi longtemps que possible et que ça s'améliore. Moi, pour l'instant, par rapport aux actes qui ont été posés pour l'instant, je peux dire que je suis contente à 60-70%. C'est énorme, ce n'est pas mal. C'est très, très bien. Donc, c'est à nous de les encourager. Il y a un point que je voulais vous signaler. Moi, j'en ai entendu parler. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Les gens n'osent pas venir parler devant. Vous savez comment ça se passe? C'est ma main droite. Hein? Celle-là, c'est la gauche. C'est la caméra qui vous donne cette impression. Et c'est la droite, celle-là. Donc, il y a des gens qui m'ont dit que oui... si on n'arrive pas à lui faire du mal, ils vont faire du mal à lui ou à sa femme. Allah seul sait la vérité, mais ce sont des possibilités. Nous savons qu'il y a des gens qui ne veulent pas le changement, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on stagne. Eux aussi, c'est leur plaisir. Quand ils voient les autres souffrir, je ne sais pas, on dirait que j'en sais rien. Pourquoi ils aiment ça? Parce que franchement, tout ce qui arrive aujourd'hui, là, on devrait encourager cela. Mais on ne peut pas obliger les gens à encourager ceux qui n'ont pas envie d'encourager. Personne aussi ne peut nous décourager de ce que nous aussi nous voulons. Chacun va se battre pour ses intérêts. C'est quoi nos intérêts? Pour que cette transition se passe bien, pour ne pas qu'ils échouent. Il y a un point aussi que je veux signaler. Pardon. Vous savez, vu que le monsieur, il est aimé aujourd'hui, ce groupe-là, on commence à les porter dans notre cœur. Il y a des militaires qui se disent... Pourquoi pas nous? Moi, je mets en garde ces militaires ou les anciens qui sont en train de pousser certaines personnes ou vous qui avez vos membres de famille ou vos connaissances. Moi, je les mets en garde. Ce n'est pas parce qu'on applaudit le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe que demain, toi, tu vas venir faire qu'on va t'applaudir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Eux, ils sont venus au bon moment. Là, on sent que Allah, il a sa part dedans. Maintenant, toi, tu vas te dire, oui, les Guinéens sont aptes à ça, donc si Mamadi l'a fait, moi je suis plus âgé, j'ai fait de meilleures études, je suis plus beau, je suis plus riche, je suis plus connu, donc si moi je fais, moi-même je serai plus aimé. C'est même pas la peine, il faut même pas tenter. C'est un conseil. Ils sont là, hein? Ils sont là. Mettez les cœurs, énormément, énormément, énormément. Si vous voyez les têtes oranges, vous les faites disparaître avec ça. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs et repartagez la vidéo, s'il vous plaît. Donc, ils se disent que si aujourd'hui Mamadou Doumbouya est chouchouté, si son équipe là est chouchoutée, moi, tout ce qu'ils sont en train de faire là, moi, je peux faire 20 fois mieux que ce qu'ils sont en train de faire. Non, mes frères, merci beaucoup. Sincèrement, même si vous pouvez transformer la Guinée demain ou ce soir en Dubaï, il faut garder ça pour la prochaine fois. Il faut vous entraîner après cette transition. Celui qui va gagner, quand il va s'éterniser, ça sera votre tour. On va avoir cette culture-là maintenant. S'il faut même mettre ça dans la constitution, que celui qui veut briguer un troisième mandat, tu mets tout en place pour cela. Ce n'est pas le peuple qui va se fatiguer. Comment on les appelle? L'armée va se lever, récupérer le pouvoir, 2 ans, et nous, on va faire une transition. Parce que nous, les civils, nous sommes indisciplinés. C'est ça la vérité. Comme nous sommes indisciplinés, de temps en temps, l'armée va venir mettre l'ordre. Et vous savez que les Africains, on n'aime pas les pouvoirs militaires.
On n'aime pas du tout ça. Donc, les gens ne sont pas du tout contents. Certaines personnes ne sont pas du tout contents. Mais le moment où ça s'est passé, là, mes frères et soeurs, au moment 5 septembre, là, c'était le bon moment. C'était le bon moment. Ça pouvait pas être mieux que ça. Je vais rappeler un truc aux Guinéens. Vous savez, nous sommes dans le Hakka. C'est quoi le Hakka? Si cela ne s'était pas passé comme ça s'est passé là, moi j'allais dire que Dieu n'existe pas. J'ai dit ici plusieurs fois. J'ai dit, il faut réclamer la victoire de CDD. Ça ne veut pas dire qu'il va la récupérer. Ça veut dire que dans son âme, à lui et à ses militants et à son parti politique qui ont subi, ça va les reconforter. Ça va les rassurer. Ils vont se sentir soutenus par ce peuple. Tout le monde s'est assis. Parce que ce n'est pas mon ethnie. Parce que ce n'est pas mon parti politique. Parce que ça ne m'arrange pas. Mais les gens qui ont subi la honte là aujourd'hui, s'ils savaient qu'aujourd'hui allait arriver, ils n'allaient pas faire ça. Il y a des gens qui m'appellent aujourd'hui qui disent que, ah, nous on aurait préféré d'aller au pouvoir que les gens là. J'ai dit oui, mais il faut que ça se passe comme ça. Pour que vous compreniez. Oh, c'est ce Koba Konaté qui nous a mis dans les problèmes là. J'ai dit non. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ce Koba Konaté qui nous a mis dans ces problèmes. Ce Koba Konaté nous a mis dans les problèmes en 2010. On a eu 2015 pour se rattraper. On a eu 2020 en flagrant pour se rattraper. On a refusé. Je l'ai dit plusieurs fois. J'ai dit c'est le moment de se réconcilier avec la vérité. Tranquillement. Ils n'ont pas voulu. Mais le fait que les gens n'aient pas voulu cela, c'est une très bonne chose. Une très très bonne chose. Vous savez pourquoi? En âme et conscience, vous qui me regardez, qui allez me regarder après. Ce que Mamadi Doumbouya a fait aujourd'hui, CDD n'allait pas le faire. Il n'allait pas avoir le cœur et le courage de le faire. Il n'allait pas avoir le cœur de faire ce nettoyage. Vous voyez CDD faire un audit à Kassori? Non. Il ne l'aurait pas fait. Il aurait trouvé une solution. Wallahi, je sais qu'il aurait trouvé une solution. Pour une humilité ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais Allah veut montrer aux Guinéens, à nous tous, à toute l'humanité, toutes les personnes qui sont au courant de cette histoire, de faire attention, d'être du côté de la vérité. Je l'ai dit ici une fois. J'ai dit Damaro, c'est l'occasion pour lui, Amad Damaro, de dire que moi je suis avec Alpha 1. Mais il n'a pas gagné des... Aujourd'hui là, on allait le repêcher. Si. On allait le repêcher. Oui ou non? Oui. Même Kenen Kaba. Moi, Alpha, c'est mon mari de... Mais ha, il n'a pas gagné des... Je suis à la place de Alimatou. Donc, mais je n'ai aucune autre solution. On aurait noté cela. Mais comme le Guinée est de mauvaise foi, partagez la vidéo s'il vous plaît. Aujourd'hui, Guinée Kaba, il paraît qu'elle est à Paris, qu'elle passe tout son temps à pleurer. Mais vous savez pourquoi elle pleure? Parce qu'elle a laissé ses affaires là-bas et elle sait qu'elle ne va jamais les récupérer. Donc, il peut faire, il était bien. Tout ce qu'un être humain fait, tu ne le fais qu'à toi-même. Alpha n'allait pas subir cette humiliation. Le RPG n'allait pas être dans cette situation aujourd'hui. Certaines personnes aujourd'hui n'allaient pas être comme elles sont aujourd'hui. Mes frères et sœurs, les gens sont là. Ils font semblant d'être contents. Les gens de l'autre côté. Mais ils ne sont pas contents. Mettez-vous à leur place. C'est honteux. Ça fait mal. Mais ça, c'est la punition d'Allah. Pour une autre fois. Cette fois-ci-là, c'était nous-mêmes. C'est nous-mêmes, nous les Guinéens. Parce que moi, j'ai vu. J'ai discuté avec les gens. Toutes les personnes qui ont défendu, qui ont fait campagne. Mais, ils ont parlé une semaine, deux semaines. Au moment où moi je parlais, tout le monde s'est retiré. Ils pensaient dans leur tête, je vous avais déjà dit ça ici. Les gens pensent que Alpha va mourir au pouvoir. Donc, se battre contre lui. Mais battre 6 ans encore, ou bien 4 ans, ou 3 ans. Non, 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 non. Moi, j'ai envie d'aller en Guinée tranquillement. La foi et la sincérité et la certitude dans la foi. Très important. Moi, je vous ai dit, moi, je suis un miracle. Moi qui suis assise là, hier, je parle avec une copine. J'ai dit, moi-même, je suis un miracle. Elle dit, oui, ma chérie, tu es un miracle. Nous devons prendre l'exemple sur toi. Mais nous avons la tête dure. Donc, je crois au miracle. J'ai eu le bonus dans l'affaire là. Mais je savais que le monsieur là n'allait pas mourir de pouvoir. Ça, c'était sûr. Ça, c'était certain par la grâce d'Allah. Réconcilions-nous avec la vérité. Donc, aujourd'hui, les généraux, vous imaginez, CDD...
mettre à la retraite 40 généraux, ou bien 10, mon frère, c'est faux, il ne pouvait pas. Ce n'est pas un débat, il ne l'aurait pas fait. Il ne l'aurait pas fait. Fait où? Mais faire Harabaï Kiné. Il faut que ça se passe de cette manière-là. Donc, concernant les généraux, il y a l'âge. Il ne faut pas regarder l'âge de la personne qui a 70 ans ou 80 ans, non. L'âge, le temps qu'il a passé dans l'armée, le travail, son temps de travail, si ça fait 20 ans, si ça fait 30 ans, si ça fait 32 ans, le temps, si ça fait 2 ans, si ça fait 3 ans, ce temps-là, ce n'est pas son âge à lui qu'il faut voir. Il faut voir le nombre de généraux. Moi, je ne m'y connais pas en armée, hein. Je fais attention à ce que je dis. Je parle avec prudence. Mais 40 généraux, il paraît qu'il y a ces 42 ou 44 qu'ils ont mis à la retraite. Même si 42 ou 44, je crois. Mais 40 généraux, même si je ne m'y connais pas en armée, c'est énorme. Agbo, pour un pays comme la Guinée. Et les gens-là étaient là. Ce type-là a fait de nous ce qu'il voulait. Personne n'a levé le petit doigt. Parce qu'il savait, il ne pensait pas qu'aujourd'hui allait arriver. S'il savait, il faut être du côté de la vérité. Rien que ta bouche, en parler, ça aide, ça soulage, ça sauve. Aujourd'hui, on allait les recycler. Parce que nous sommes tous en train de voir que ce monsieur-là joue, cette équipe-là joue sur les erreurs de leurs prédécesseurs pour se faire aimer et pour se positionner. Moi, je ne vais pas dire que c'est une personne. Je ne vais pas dire que c'est le colonel. Je dis que c'est l'équipe parce que c'est ce que l'autre n'aimait pas. Tout ce que lui, il dit, c'est ça. Il n'écoute pas les conseils, il n'écoute pas les ministres, il n'écoute personne. Il s'écoute lui tout seul. Lui, il a certainement une équipe et il tient compte des avis à gauche, à droite et il a les décisions que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Donc, s'il a commencé à mettre son propre groupe, ses éléments, c'est-à-dire l'armée, puisqu'il y a des gens dans cette armée, dans cette liste, je ne vais pas dire leur nom, il est très proche de ces gens-là. Ils sont énormément proches, mais il les a mis à la retraite. Je commence à vous signaler, il ne faut pas que certaines personnes viennent pleurer ici quand on va mettre leur père ou leur mère enseignant à la retraite ou qu'ils soient en fonction publique là-bas à la retraite, que non, 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 elle ne devait pas aller où il ne doit pas aller à la retraite. Donc, il a commencé par son propre camp. Il a commencé par ses propres, en parenthèse, amis, ses propres associés. Donc, ce n'est pas la peine de pleurer. Ça, c'est une forme de rigueur que moi, j'apprécie. Il y a des gens, beaucoup de personnes m'ont appelé, moi, je ne voulais même pas faire de vidéo aujourd'hui, qui ne sont pas du tout contents. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas contents. Maintenant, il y a des gens qui ne seront jamais contents. C'était comme pendant cette histoire d'élection et victoire, tout ce que vous savez. Ils n'étaient pas pour Alpha, ils n'étaient pas pour Dalai, ils n'étaient pour personne. Ils n'étaient pour personne. Aujourd'hui, ils ne sont pas pour Alpha, ils ne sont pas pour Mamadi Doumbouya, ils ne lui font pas confiance. Ils veulent un jeune qui va tomber du ciel, je ne sais pas, qui va venir, je ne sais pas par quelle méthode. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. Je ne compte pas qu'on décourage ce groupe-là pour que plus tard, on se retrouve dans une situation inconfortable et qu'on soit dedans tous les jours. L'armée, il faut se lever. L'armée n'est pas républicaine. L'armée est ci, l'armée est ça. C'est le moment de les encourager dans les vidéos, dans les commentaires. Les autres serpents venimeux-là qui ont fait faillite, ils ont fait tomber leur propre parti politique. Ceux qui ont leur bouche qui ne règle rien là. C'est-à-dire, ira partir, Rabira. Il n'a défendu fait. Ira Rabira. Ils sont en train de tout mettre en place pour salir cette équipe. Heureusement et malheureusement, Gaga, bonsoir. 44, ok. Heureusement et malheureusement, pourquoi je dis heureusement? Heureusement, CDD se repose un peu. Ou il partage son bagage avec le colonel en ce moment. Ce n'est pas mauvais. Ils sont en train de partager les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est entre les deux que ça tiraille, que ça insulte et que ça critique. Mais ça fait combien de temps ils sont sur ça? Ça n'a pas donné pour CDD parce que ça ne l'a pas empêché de les humilier dans les urnes. Et le haka a fait, on vit ça aujourd'hui.
Mes frères et sœurs, c'est ce que tu m'as dit à la Kenara. Moi, je vais revenir sur ça, mille ans, cent ans. On a mis ces gens-là en rang pour rentrer dans le palais. CDD aurait pu faire ça. Celui qui dit c'est faux. Quiconque me dit que CDD aurait pu faire cette rigueur-là aujourd'hui, je vais dire que tu mens, c'est pas vrai. Il n'aurait pas pu le faire. Il ne l'aurait pas fait. Même s'il allait créer une loi pour sauver les gens-là. Il allait le faire. Il n'allait même pas penser à tout ce que ceux-là sont en train de faire. Là, nous sommes sur un nettoyage. Il faut que le nettoyage-là, Fanta Djamil a dit de mettre les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il faut que ce nettoyage-là s'approfondisse. Il faut que ça s'approfondisse. Il faut qu'on encourage cela. Vous qui êtes là, me regardez. Si on a mis vos frères et sœurs, vos pères et vos grands-pères à la retraite, ce sont des généraux. Ils n'ont qu'à aller à la retraite. Il y aura une solution. On va peut-être, hein, je ne sais pas, prendre certains comme ambassadeur, peut-être comme conseiller de ministre, peut-être comme conseiller personnel de lui-même là-bas, j'en sais rien, on va sûrement trouver des solutions. Mettre des jeunes à leur place qui sont beaucoup plus jeunes par âge et par métier, parce qu'il y a eu des nouveaux recrues dans l'armée, de toutes les façons. Donc, moi, Mali Sissoko, j'apprécie le geste. Oui, moi, j'apprécie. Après, moi, je n'ai personne dans l'armée. Et même si j'ai quelqu'un dans l'armée, franchement, je pense que là où on est là, chacun de nous doit faire des sacrifices. Voilà. Chacun de nous doit faire des sacrifices. Vraiment, lâcher prise sur certaines choses. Perdre certaines choses. Perdre certaines faveurs. Perdre certains intérêts. Pour que l'intérêt collectif soit mis en avant. Parce qu'il faut que le changement soit individuel pour que le changement soit collectif. Le changement ne peut pas être collectif comme ça, boum, un coup. Non. C'est individuel. Moi, je vais changer. Moi, j'ai changé. Hein. Moi, Inch'Allah, j'ai beaucoup changé. Chacun de vous va changer petit à petit, petit à petit. Et nous allons changer. Le pays va changer. Mais depuis le temps, le changement que Allah a opéré pour nous pour l'instant, ceux qui sont là, qu'est-ce qui a changé dans vos vies, dans vos habitudes? Qu'est-ce que vous avez changé dans vos habitudes? Il faut vous poser cette question. Allah, tu nous as rendu ce service. Nous avons prié, nous avons tout fait. Pour que celui qui n'a pas de nom là parte. Il est parti. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Il faut penser à cela. N'oubliez pas les invocations, les prières. On les maraboute beaucoup. Les anciens veulent revenir. Les anciens veulent saboter. Les anciens veulent l'échec. Et certainement, pardon. Certainement, parmi ces généraux, qu'Allah me pardonne, il doit y avoir quelques-uns qui sont en train de trafiquer un petit quelque chose. Ça, c'est sûr. Nous, on se connaît. Mais les généraux, ou les lieutenants, ou les capitaines, ou les colonels, ce que Mamadi Doumbouya a fait là, c'est comme quand Celodel Ndiallo a tenu tête à Alpha Condé en 2020. Ça, personne ne va plus faire ça. Ce que Mamadi Doumbouya aussi a fait le 5 septembre là, personne ne le verra plus. Ça n'aura plus cet effet là. Parce qu'à Singena Rabari. À Singena Rabari. Mais il Singena fait là-bas, il faut Rabari. Mais il faut Rabari. On te dit, ah, il y avait un tel là qui avait fait. Mais ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Donc le succès que Mamadi Doumbouya a eu aujourd'hui, il a pris son risque, il a pris son courage à deux mains. Parce que la population aurait pu réagir autrement, négativement, bien sûr. Bien sûr, puisque soi-disant, Alpha avait gagné 58%. Je crois que c'est 58%. Quelqu'un qui a gagné 58% dans les urnes, il allait y avoir, on allait lui faire regretter. Oui. Donc, c'est un risque. La population aurait pu sortir, les saccager, les massacrer, commencer dans Kaloum là-bas. Ils n'auraient même pas pu traverser. Mais comme peut-être au fond de lui, ils savaient que le type n'a pas gagné, même si c'est ça. Les gens vont se dire, nous, ça fait un an, on est sur ça. Même s'il n'a pas gagné, nous allons continuer comme ça jusqu'à sa mort parce que nous avons cette tradition. Voilà. Le Guinée, c'est la tradition. Vu qu'on a eu, par exemple, ces 44 généraux mis à la retraite comme ça d'un coup, le Guinée n'est pas habitué à ça. C'est ce que je vous dis souvent. C'est quoi le changement? Le changement, c'est ce que tu n'as pas l'habitude de vivre et de faire. C'est ça le changement.
Donc, nous sommes dans le changement là maintenant. Nous sommes en train de vivre beaucoup de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. En tout cas, moi, je ne parle pas pour vous. Peut-être que vous avez l'habitude. Mais moi, je vois beaucoup de choses en Guinée en ce moment que nous ne connaissons pas. Voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ils sont là, ils font attention à certaines choses. Tout ne peut pas être clair. Les gens n'ont pas cherché le pouvoir 40 ans. Ils n'ont pas cherché le pouvoir même 10 ans. Ils ne l'ont même pas cherché. Ils ne l'ont pas cherché. Quelqu'un qui a cherché le pouvoir 40 ans, il est venu. Il n'était même pas prêt. Il s'est battu pour l'affaire de troisième mandat. Là. Il est venu pour faire son gouvernement. Ça a pris combien de temps? Et il a pris les anciens, il a recyclé. Donc voilà, il faut voir tous ces paramètres. Mais comme nous, Guinéens, là, nous, on est habitués à ça. Il faut que ce soit comme ça. C'est-à-dire, il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Là, déjà, on a appris là qu'il y a 40 généraux dans ce pays, 44 généraux dans ce pays. Peut-être qu'il y en a plus. Mais mes frères et sœurs, c'est énorme. C'est beaucoup, même si je ne connais pas l'armée. C'est énorme pour un pays comme la Guinée. Il y a des gens qui vont dire que 26 ministres, 20 ministres, il y a des gens qui commencent à dire que c'est beaucoup. Mais on était à combien autant de l'autre monsieur là. C'est-à-dire, il faut savoir apprécier les choses. Quand quelqu'un fait, voilà, Noé Kourouma, le plus dur est fait. Quand quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire, il faut savoir l'apprécier. Ce n'est pas que dans la bouche. Il faut les soutenir avec nos cœurs et nos âmes. Les âmes pourries là qui soutiennent négativement pour faire tomber les gens là. Vous êtes mal barrés cette fois-ci là. Les serpents venimeux qui mordent là et que leur venin ne fait rien. Calmez-vous, c'est fini. Mettez votre affaire là dans le passé. Un moment va venir, on va dire le nom du parti là. Il y a des gens qui vont fuir. Tellement ils se sont fait humilier et ridiculiser. Donc ceux qui sont en train de faire, nous sommes obligés, moi Marie Sissoko, je suis obligée de les soutenir, je suis obligée de rester derrière eux, parce que quelqu'un d'autre qui allait nous enlever là, ceux qui veulent faire le coup d'état aujourd'hui, ceux qui veulent déstabiliser le colonel et son équipe ou veulent déstabiliser la Guinée, pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis longtemps? Ça fait combien d'années que les Guinéens manifestent? Ça fait combien d'années que les Guinéens sont en train de manifester? Ça fait combien de temps qu'il y a eu le FNDC? Il y a eu combien de morts, combien de blessés? Même des bébés. Pourquoi vous n'avez pas fait le coup d'état à ce moment-là? Parce que pour Mamadi, c'est bon, c'est joli, il est devenu le chouchou de toute une république, parce que nous avons notre petite joie là. Vous voulez nous gâcher ça. Donc, ce que moi je vous demande à tout un chacun, vous allez réfléchir comme vous voulez, comme vous pouvez, mais je vous demande si possible de soutenir les gens là, pour qu'il y ait une bonne transition, pour que nous aussi, nous commençons à être des gens bien, pour que les Guinéens et la Guinée rentrent dans un cadre un peu correct, parce que nous sommes vraiment des récalcitrants. Voilà, nous sommes des gros récalcitrants. Et ce qui s'est passé pour le premier ministre et les gens qui sont nommés ces temps-ci là, c'est super. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est très bien. Foré Kariya était devenu une propriété privée, affaire de premier ministre, mais c'est catastrophique. On a vu sous Alpha Condé que premier ministre, c'est Basse-Côte. Telle chose, c'est Haute-Guinée. Telle chose, c'est... Mais dans quoi on était? Et il y a des gens qui étaient là, qui regardaient ça, qui trouvaient ça normal. Mes frères et sœurs, on n'était pas normal. Même là, là on n'est pas encore normal. On commence à être normal. Nous sommes en train de rentrer petit à petit et progressivement dans la normalité. Il ne faut pas qu'on coupe cette norme. Il ne faut pas qu'on coupe ce truc-là, ce processus, et se mettre dans des faux trucs qui n'ont pas de sens. Nous commençons à se réconcilier progressivement, petit à petit. La justice, ce n'est pas forcément au tribunal. Non. Allah est en train de faire sa petite justice là. Ça, c'est une petite justice d'Allah. Ce n'est pas mal. C'est comme ça. Vous voyez, avec tout ce qui s'est passé, il y a des gens qui commencent à oublier certaines choses. Même si ils ne peuvent pas oublier 100%, ils commencent a un peu oublié, il commence à revivre. Ça, c'est une très, très bonne chose. Donc, tous ceux qui sont là à dire des si, patati, patata, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Que voulez-vous que ces gens-là disent? Mamadi Doumbouya, il est tout aujourd'hui, tout ce qui est mauvais. Il est tout ce qui est mauvais aujourd'hui. Mais il y a eu un moment, il était bien, hein? Ou bien? Mamadi Doumbouya était bien, mais... ou bien, force spéciale, là. Il était trop spécial, ou bien? Si c'est la même bouche qui les critique aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Je vais très bien, alhamdoulilah.
Souma Ousma Rarali, j'espère que tu vas bien. Baouri, j'espère que tu vas bien, toi aussi. Je te dis, oui, il a eu 58% dans les urnes, mais il n'a pas eu 2% même dans la rue pour le sauver. Bon, je ne veux pas. Karel Silla, comment ça va? Pampa UFDG, j'espère que tu vas bien. Donc, je pense que dans le sens que nous sommes là, si on arrive à bon port, c'est grâce à vous et moi et à tout le monde. Si on n'arrive pas à bon port, ça sera encore vous et moi et tout le reste des Guinéens. Nous avons notre rôle à jouer. Si vous voyez que la Côte d'Ivoire est Babo, comment il s'appelle, celle qui parle, celui qui parle comme une vieille là, comment il s'appelle, ce monsieur qui a un œil comme ça, je ne sais même pas. Si vous voyez qu'il est en train de faire ça, ou c'est vrai, c'est faux, mais c'est possible que ce soit faux, c'est possible aussi que ce soit vrai, pourquoi pas? Mais moi, je pense qu'à 50%, il y a une part de vérité dedans. Mais il faut qu'ils voient le soutien partout, dans les médias, sur les réseaux sociaux. En Guinée, ils ont vu le soutien. Parce que c'est ce qui donne, c'est ce qui les encourage eux aussi, c'est ce qui bloque les ennemis. Mais n'allez pas chercher loin. L'ennemi est à l'interne aussi. Il y a des gens qui ne sont pas contents, qui ne seront jamais contents. Il y a des gens qui ne vont jamais pardonner à ce monsieur-là. Il y a des gens que moi-même, qui ne vont jamais me pardonner. C'est aujourd'hui que je me rends compte que mes vidéos ont donné. Oui. Quand je parlais avant, là, j'étais menteuse, j'étais comédienne, j'étais folle. Mais aujourd'hui, on me fait retomber les fautes. Les gens m'appellent pour me faire retomber les fautes. Je dis, ah bon? Donc, je faisais là. Ce que je faisais, c'était sérieux. C'était bon. Ah. Voilà. Donc, nous allons soutenir le colonel. Nous allons lui dire merci à lui et à son équipe. C'est notre combat qui a continué, c'est parti tomber sur lui. Il est venu terminer le combat. Le FNDC a fait sa part, l'UFDG a fait, l'ANAD a fait, les inconnus, les anonymes, tout un chacun de vous dans vos partages, dans vos commentaires, dans vos injures. Et chacun a fait sa part. Tout le monde a fait sa part parce que Birina il a une arme, nana. Ne fan nana kine alko ala rama se akur tare na o nyama ne re nguru nyama ma ne fan na o nyama donc ne fan fa bene e fan ne fala injure public e fa fala be donc ne birin na la guinée ne ala na ne birin dari. Je vous dis merci à vous tous. Voilà, il va laver le linge sale, mais quand il lave le linge sale, nous aussi qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on essore. On doit essorer le linge sale là. Hein, ma chérie, quand il lave là, on prend un motocon comme ça là pour sortir l'eau de ça. On ne va pas lui laisser tout faire parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas sortir de ce système. Il y a des gens qui ont été surpris par les faits. Mettez-vous à leur place. Mais Hake, Hake, aujourd'hui, c'est en train de... Selou n'allait pas nous faire ça. Selou n'aurait pas pu nous faire ça. Selou est trop gentil. Il n'allait pas nous faire ça. Oui. Oui, c'est comme ça. Je vous ai dit, l'affaire de troisième mandat, là. On va vous pourchasser jusque dans vos tombes. Même les insulteurs ici, je vais vous pourchasser, Inch'Allah, jusque dans vos tombes. Parce que ce que vous voulez, ça ne se réalisera pas. Parce que vous êtes pour le mensonge. Comme vous êtes pour le mensonge, ça ne va pas se réaliser. La Guinée ne sera plus comme avant, Inch'Allah. Elle ne sera plus comme vous voulez que ce soit là. Inch'Allah. Nous aussi, nous allons tout faire. Comme vous m'avez montré que ça donne. Ah, mes frères et sœurs, j'ai des appels, ils ne sont pas contents. Oui, tu ne lâches pas, tu as parlé, ta bouche là a fait partie d'Alpha Condé. J'ai dit oui, c'est parce que mes dents sont superposées et que je les ai laissées naturelles et que j'ai les teintes naturelles et que je fais tout ce que Allah veut. Et aussi, il fait ce que je veux, ce n'est pas compliqué. Donc, mes sœurs, réconciliez-vous, ma camarade, réconciliez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Essayez d'arrêter les interdits, les produits éclaircissants, les perruques, les mèches. Petit à petit, progressivement, progressivement, progressivement. Quand vous allez faire ce qu'il veut, il fera ce que vous voulez, Inch'Allah. Surtout les femmes, il nous aime énormément. Allah nous aime énormément. Mais comme nous, on ne l'aime pas, c'est ça le problème. Donc, vous écrivez ici pour vous. Vous insultez ma maman. Vous m'insultez. Mais ce que je veux, Allah l'a fait. Ah, donc le poro là, c'est quoi? Ablé soumamou. Ousmane soumamou. Et bien, attends. Allah n'ira guérisso. Allah n'en s'est l'oudel en yallou a guérisso à nous, IFDJ. Dans le monomagé, ça a dégué nous.
dans les mounons magé ça des retraites nous voulez quoi non amounons manou amounons manou alors n'a pas monnaie ma maouma yileri il faut des nagaïki il faut un animiste et un goreki naga dans les nangéniri ou dans les nagaïki tu as rumba fala halama ma soto c'est pas grave on déraba akela et naga di naga wa mais nan doué a guidé ou fana na ya guidé en kuikito ceux qui se tapent la poitrine. Jamais, d'aller ici, jamais. Aujourd'hui, on dit que ma mère Doumbouya, c'est un drogué. Oui, c'est très bien. Il a notre image. Ma mère Doumbouya qui est là, là. Il a l'image des Guinéens. Comme l'autre là a été à notre image. Le jour qu'on va changer, la majorité d'entre nous changera. On nous amènera quelqu'un au niveau de l'évolution de l'autre changement là. Mais pour l'instant, on nous amène un cravacheur pour nous cravacher. Celui-là est trop poltron. Il est trop mou. J'ai dit, nous avons besoin de ce mou-là pour apaiser nos cœurs, pour apaiser nos nerfs. Vous, vous aimez quand c'est brut? Vous aimez quand c'est sauvage? Dieu dit, oui. Attendez. Marie, c'est ce qu'on ne te fatigue pas trop. Je vais les répondre. Il a amené quoi? Une force. Une force très spéciale. Fabriquée par qui? Par l'autre-là. La réponse n'est pas là. Elle est là. Allah communique avec nous. Tous les jours que Dieu a fait, il communique avec nous. Je vous ai dit, on refuse de comprendre sa communication. Moi, ce qui se passe là, il faut le rappeler dans toutes les vidéos. C'est l'ouda d'un kakena minir gema. Quelqu'un ne peut pas se comporter comme ça. Vous confisquez le pouvoir de quelqu'un. Vous voulez l'humilier. Vous voulez détruire son parti. Vous bloquez sa femme. Vous enfermez ses collaborateurs. Tout le monde est là. On trouve ça normal. Namoura nyom manaki. Donc, UFDG, c'est Allah qui vous a sauvé. Hein? C'est Allah qui vous a sauvé. Parce que celle où allait échouer. Avec tout ça, là, il allait échouer. C'est-à-dire, s'il veut travailler à 200%, il allait travailler à 20%. Pour nous, ça allait être un changement. Hein? Oui, pour nous, ça allait être parce qu'il allait mieux faire. Mais ce qui se passe là, c'est plus croustillant. Ce qui se passe là, c'est plus beau. Ce qui se passe là, c'est mieux. Ce qui se passe là, c'est bon à déguster. Ce qui se passe là, ça donne la joie au cœur. Ce qui se passe, ça renforce la foi et la certitude dans la foi. Qu'il y a un faiseur de miracles. Qui est Allah. C'est lui qui fait les miracles. C'est lui le faiseur de miracles. Ce qui se passe en Guinée, c'est un miracle. C'est ça son travail. Maintenant, les prochaines élections, ou alors ceux qui ne sont pas contents, essayez de foutre des troubles encore, que vous voulez faire un coup d'État, parce qu'il n'y a pas tant. Vous allez le regretter, Inch'Allah. Quelle que soit votre force, il faut tenter. Je vous dis ça encore aujourd'hui, essayez de tenter. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre c'est quoi la vie. Vous allez comprendre qu'il y a un créateur dans ce pays-là. Quand tu l'appelles, il vient. Quand tu es sincère, il vient. Essayez, tentez. Moi-même, je suis pressée. Parce que ça aussi, on va parler d'autres choses. Les regrets seront plus grands que ce qui se passe aujourd'hui. Mais comme on ne veut pas réfléchir, il y a certaines personnes qui ne veulent pas réfléchir. Leur cerveau est mélangé, c'est-à-dire la boue. Ils ont mélangé la boue et je ne sais pas si c'est avec du savon ou quoi. Je ne sais même pas. Les serpents sans venin là. Les serpents qui ont le venin là. Même quand ils te mordent, ça ne te fait rien. Vous êtes trop petit dans le réseau de Mamadou Doumbouya. Ce qu'il a fait là, vous ne pouvez pas le faire. Il est rentré dans l'histoire. Comme celui-là, il est rentré dans l'histoire. Oui. Comme ça. Et moi, j'aime les gens qui font des choses exceptionnelles. C'est ce que je vous dis. Il faut faire des trucs exceptionnels et extraordinaires. Ça, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Se présenter face à quelqu'un qui est au pouvoir, les gens avaient peur de ça. Lui aussi, il fait son coup, les gens avaient peur. Maintenant, eux aussi, ils veulent se glisser encore pour passer. Damoro qui voulait se glisser, Kassori qui voulait se glisser, Mamadi Yane qui voulait se glisser, vous allez vous glisser où? Maintenant, c'est pour tout le monde qui est gâché. Ceux qui ont pris le risque, les gens qui n'aiment pas prendre le risque, les gens qui ne se projettent pas, je vous ai souvent dit, il y a des gens qui ne se projettent pas. Nous voyons les folies Kemenga aujourd'hui. Nous voyons Koundounou, les Ibrahim Diallo et autres aujourd'hui.
Nous les voyons. Nous voyons l'UFDG aujourd'hui dans les négociations, les autres partis politiques dans les négociations, parce qu'ils se sont opposés. Parce qu'ils se sont opposés. Ceux qui ne se sont pas opposés, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas s'opposer. Je n'ai pas compris le combat de certaines personnes. Je n'ai rien compris, quoi. Vous pensez que les gars allaient mourir là-bas? C'était pratiquement impossible. C'était pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Non, c'était pas... C'était trop flagrant. Ce qui s'est passé en Guinée, c'était abusé. Mais il fallait qu'on passe par là. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est ma main droite. Hein. Celle-là, c'est la gauche. Ok. Elisabeth Villavogui, j'espère que tu vas bien. On va rester là. Vous êtes nombreux en ligne, mais je suis désolée. On va rester là. Partager et repartager, s'il vous plaît. Voilà. Il signale même nos comptes. Même quand tu fais des publications dans les groupes, on te bloque avec un compte. Non! Maintenant, je ne comprends pas. Tous les vues que les gens là ont sur les réseaux sociaux, ça apporte quoi? Vous, on vous voit. Hein? On vous voit plus que nous. Mais vous perdez. Yaya Bangoura Moulé, tu as des vues, mais tu perds. C'est pas des vues. Hein? Tout le monde te regarde. On va se regarder pour se moquer de toi ou quoi? En tout cas, tu perds. Ah, nous, on est bloqués de partout. Mais ce qu'on veut, je réalise un peu. Donc, je dis merci. Je dis merci à Allah. Hein, avec les poros, avec les ingaïki, avec les si, avec les ça. Merci à vous tous. Inch'Allah, à bientôt. Je suis vraiment désolée de vous laisser assez nombreux en ligne. Mais c'est comme ça. N'oubliez pas le jeûne de demain. Et les prières de nuit, de raka, ce que vous pouvez, 11, ce que vous pouvez. Vous vous levez la nuit. La meilleure des invocations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala revienne dans sa Guinée. Très important. Ça, c'est un truc qu'il ne va pas refuser. Parce qu'il veut qu'on l'appelle. Il veut qu'on sache que c'est lui le maître, les maîtres, le créateur de tous les maîtres. Allah, on a remarqué que tu n'es pas en Guinée. Si tu es là, il faut t'occuper de nous. Il faut revenir dans ta Guinée. C'est toi qui l'as créé, cette belle Guinée. Et nous, les beaux Guinéens, c'est toi qui nous as créés. Reviens. Enlève-nous dans les mains d'Iblis et les iblistiques. Ce n'est pas fini. Nous allons continuer pour que Allah récupère sa Guinée. Mon souhait est que les gens voient la différence quand Allah est quelque part et quand il n'est pas quelque part. Quand il est dans ta vie et quand il n'est pas dans ta vie. Tu t'en rends compte. Vous allez sentir cela. Nous allons comparer nos photos. Nous allons comparer nos vidéos à ce moment-là en Guinée et voir, excusez-moi du terme, l'animosité qu'on a vécue depuis que la Guinée est Guinée. Comment on vit, comment c'est sale. Vous allez comprendre parce que les âmes sont sales. Les âmes ne sont pas prêtes. Prêtes, hein? C'est une âme. À bientôt. Allah oumbir Mali. Aram mis midi bir natangara. Mis midi bir sutura. Aram oumfan natangara. Aram sutura. Aram sembe fi sunna guine bir ma. Aram fin tam fom ma. Aram kiti ibum adama bir sondo ma fe na nyanege ma fe ma. Aram kiti intam marishi toko sondo ma fe nou nyanege ma fe ma. Aram non di masin. Aram non di Mali. Nere engar kerenye ma dapu fe se fe la rezo sosyo ma kene ma dungu la dunia ungo ngila gine fe ku ou fe bata ku. Ora mere ma dapu. Si fe la. Ou harge fe la wule ku. Wako lo wana gamfala fe wule nara. Ala ka wura takam. Ala bara alfa kondere yerebi a bere ilangira. Bere ilangina naki. Mba ala ka wotan fanna yerebi wo bere ilangira. Watan naka muwama mutan la gine ke mubara so. Mubara so tebe ka di dondro ti di tofe. Awo kana tebe ka ikana muma. Parce que vous avez diminué. 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 Si mes bêtes ne rien à réseaux sociaux ma hypnotique que centaine et rame que ne reste centaine faire rien à faire. Alors on massera, quand on massera ma, alors on frappe, on brille la nira, on a des gars puissance, alors on frappe nara. Menge, alors parce que t'as non wada,
Awa bien tu wolon nous dali lui utiliser fait ala na sogoira wora lon ni sa sentane ra disposition sentane ra modar mba ala wora yerbi ala ko selfie ba selfie mengena tanana akan tam fon selfie akiti sondo mo fe lu nyani ma fe lu mboy ma fe lu ngar ma fe ma akan selfie na ila nira na la magan di fini ala ka bilen la kine akak bilen la kine lo kon de dans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 50 ans Kala tu me rira fola gine ni ndelu gifala maneno ala gine mona ala akra na ngoma. Vous voyez moi je me projette. Inch'Allah même quand je suis morte. Je me projette ici. Je ne suis pas pressée, je vous ai dit le mensonge est pressé parce qu'il ne veut pas qu'on le rattrape. La vérité s'en fout. Attends, on a tranquille. Ça ne voulait ça ne non dit. Voulait a été assez mauvais. Je vous ai dit ça ici. Tel est menteur, tel est ci, tel est ça. Tout va sortir là. Il y a des gens qui vont devenir fous ici, Inch'Allah. Si vous ne laissez pas Mamadi Doumbouya et son équipe, vous allez devenir fous. Devant vos caméras, vous devez vous faire. C'est ce que vous avez fait. Parce que vous avez fait votre embarrassement. Ce que vous soutenez là, c'est mort. C'est fini, c'est enterré, c'est définitif. Ça ne reviendra plus, Inch'Allah. Nous, on veut avancer. Si vous ne voulez pas avancer, campez avec vous. Vos serpents sans veine là. Mais on va vous brûler. Ralati. Mbara foube. Nuno ma kerma. Hango gabouri. Moussa tessa oumana. Otan sentane te. Otomo ma sarama. Otan fempo balay. A bientôt Inch'Allah. Merci à vous tous pour les partages et les commentaires. Peut-être ces jours-ci je reviendrai Inch'Allah.